Ta nouvelle chambre. Moi j'y pense tout le temps. Dernière petite descente. Oui. Calice, t'en penses quoi de sa nouvelle chambre? N'attendez pas à ça. Hello Athéna. Hello. Comment ça va aujourd'hui ma puce? Bien. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Là, on va se faire une vidéo de fou. Puisque je me suis mis au challenge de tout changer ta chambre. Comme Calice a eu un changement de chambre il y a quelques années. Et bien toi aussi, ça y est, c'est ton tour. Tu ne veux plus de ton toboggan, c'est normal, tu grandis. Tu veux changer un petit peu tout ça. Tu veux changer de déco, tu veux changer de meubles, tu veux changer de lumière, tu veux changer de plein de choses. Tu vas même avoir, d'ailleurs merci à FlexiSpot, c'est le seul placement de produit dans cette vidéo, mais pas des moindres, on l'a choisi. Une belle table. On dit pas encore ce que c'est, le thème? C'est toi qui choisis. Oh, on peut le dire, hein. La seule chose que tu sais, c'est que ça sera une chambre gaming. Que t'adores le gaming et Calice, elle adore plutôt tout ce qui est dessin. Chacun ses passions. Donc voilà, regardez. Regardez, je vais faire un petit tour la chambre avant avec le lit, le toboggan. Allez, vas-y. Oui. Ah oui, même le coussin Reine des Neiges, il va partir, hein. Ouais. Tout va partir, d'accord. Et les peluches vont pas toutes partir, mais il y en a beaucoup qui vont partir aussi. Bon allez, le plus simple c'est que maintenant je mette au boulot parce que ça va faire plusieurs jours de travail pour moi. Et quand tu vas revenir, surprise. Allez, dernière petite descente. Oui. Il a toujours été très glissant ce toboggan. C'est parti pour une vidéo de dingue. Et j'ai hâte de te voir pour la surprise et pour la découverte de ta nouvelle chambre. Moi j'y pense tout le temps. Ouais, je sais, t'en rêves la nuit même. 1 hour later. Alors, ça y est. Les meubles ont été à peu près débarrassés, vidés. Regardez, les peluches ont disparu. On arrive à déco murale et maintenant on passe au gros du travail. Premier gros morceau, c'était de séparer le lit superposé, puisque Athéna ne voulait plus de lit superposé. Et j'ai opté pour cette solution de faire deux lits séparés. Je vais le repeindre en plus, parce qu'on va faire plutôt dans la thématique blanche. Allez, un petit coup d'aspi, on redresse tout ça. Ça, je vais le démonter, je vais le mettre ailleurs et ça fait un lit individuel, c'est cool. Et on va passer à la suite, c'est-à-dire au démontage de ces meubles-ci qui vont disparaître, les meubles en bois. Les meubles blancs, on les garde, on reste dans le blanc. Le lendemain. Et voilà, deuxième jour. Et bien maintenant, on va bouger les meubles. C'est-à-dire que ce meuble-là, il va aller dans le coin là-bas. Et ce meuble-ci va aller là. Et normalement, si tout va bien, parce que j'ai bien calculé, ça rentre pas. Si je mets le lit tel quel, la porte ne peut pas s'ouvrir. Donc on va tester. Vous allez voir, j'ai quand même une idée derrière la tête pour arranger le souci. Mais déjà, on va essayer comme ça. Déplacement de meubles. Il faudra que je lave un petit peu aussi les murs, d'ailleurs, avant de faire tout ça. Regardez, comme prévu, la porte ne s'ouvre pas, ça ne rentre pas, c'est normal, j'avais calculé, il manque un centimètre. Eh bien, regardez, la petite astuce, je vais enlever cette barre ici, que je vais remettre ici, comme ça je vais gagner un centimètre, vous voyez. Et si ça ne suffit pas, je ferai pareil de l'autre côté, on va voir. Allez, donc là c'est parti. La porte s'ouvre.
Mais pour qu'il n'y ait pas de problème des fois que les bouge, je pense que je vais enlever cette latte-là. Si, j'ai bien fait mes petits plans d'abord, parce que j'ai fait des petits plans. Eh oui, il faut faire un plan avant de refaire sa chambre si on veut bouger les meubles. Et voilà, les coffres rentrent sans problème, on peut ouvrir les portes, ce qui est bien. Hein. C'est pratique de pouvoir ouvrir des portes. Là, ça s'ouvre. Mais s'il les bouge un petit peu, après, ça s'ouvrira plus. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, ça sera plus simple. Voilà, j'ai changé les lattes de côté. Maintenant, je vais replacer le lit et ça devrait s'ouvrir sans problème. Là, il y a largement la place, même si le lit bouge. Il y a au moins 2 cm de jeu. Et là, on est plutôt bien. Par contre, le seul truc, c'est que le matelas, je peux l'enlever comme un tiroir, quoi. Vous allez voir, c'est un détail. Une petite cale ici. Ces 3 éléments, je vais les peindre en blanc et je les conserve donc. Ça n'empêche pas de faire du home staging, de garder ce qu'on peut garder. Il faut récupérer ce qu'on peut et on peut faire du nouveau, presque du neuf, avec de l'ancien. Regardez, j'ai réutilisé des petites planches qui étaient verticales et j'ai mis comme ça ici avec 3 vis. Et là, il est bien solidaire du sommier et du lit. Bon, par contre, il faut que j'arrive à enlever cet autocollant qui s'arrache comme ça. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est une sorte de sèche-cheveux comme ceci. Et on va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors voilà, je viens d'enlever l'autocollant, car le plus gros. Évitez de coller un autocollant sur votre mur. Sarah Tenal avait collé comme ça, sans prévenir. C'est compliqué, franchement c'est compliqué un autocollant. Allez, je vais terminer avec du vinaigre blanc et il n'y a plus de traces. La peinture là qui s'est un petit peu enlevée parce que j'ai mis trop chaud. Ce qui est important, ce sont les imperfections. Sinon, il faut le faire par un professionnel, mais les imperfections, c'est ce qui donne du charme à une pièce, à une maison et à une personne. Donc comme je disais, je vais peindre ces meubles bois en blanc, donc donner des petits coups de papier de verre. Voilà, sur toute la surface pour bien que la peinture adhère. C'est parti. Le lendemain. Allez, troisième journée. Un petit peu de peinture encore, parce que j'ai déjà fait 2 couches de peinture. Au niveau du lit, au niveau des meubles, je pense que je vais refaire une troisième couche pour les meubles. Pour le lit, c'est super. Le bois était de bonne qualité, bois brut, nickel. Pendant que je fais une troisième couche et que ça sèche, je pense que déjà je vais réparer les interrupteurs, enfin changer plutôt les interrupteurs et également peut-être changer les ampoules. Et voilà, j'en ai profité aussi pour prendre des risques pour réparer le volet électrique qui ne marchait plus. En fait, c'était des attaches qui s'étaient détachées. Voilà, donc, une petite commande sur internet et puis du talent, tout simplement. Et voilà, ça remarche. Yes. Le lendemain. Allez, quatrième journée. Donc, hier, en fait, je n'ai pas avancé autant que je voulais, mais j'ai quand même fini la peinture. Voilà, 3 couches. J'ai remplacé les boutons interrupteurs va-et-vient. Voilà. Parce que celui-là ne marchait plus, il était trop vieux, ça grésillait. Je n'ai pas eu le temps de remplacer les ampoules, par contre, j'ai passé pas mal de temps sur le volet roulant qui fonctionne maintenant. Voilà. On va passer au montage de cette table, de ce bureau électrique ajustable FlexiSpot. Ça va être trop bien. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Let's go! C'est parti pour le montage. Cette table, ce bureau FlexiSpot, franchement c'est très facile. Et là, la suite, eh bien, je vais tout simplement retirer le plateau pour le fixer en dessous. Là, c'est les pieds qui seront par terre avec des branchements parce que c'est électrique pour ajuster la hauteur. Voilà pour la table. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, vous pouvez changer
les coloris comme vous voulez. Là, pour le coup, Athéna sait qu'elle a ce bureau-là. Il lui plaît beaucoup et elle a choisi des pieds noirs avec un plateau blanc. Mais si vous voulez prendre un pied blanc, un plateau noir, un pied blanc, il y a du gris, enfin, allez voir sur le site. On peut faire plein de combinaisons possibles. Voilà. Alors regardez, j'ai quand même changé ça de place puisque le port USB est sur le côté droit, donc je trouve ça plus pratique si on veut changer quelque chose, de mettre de ce côté-là. Donc je vais quand même enlever le petit film. Waouh, c'est satisfaisant, ça, à chaque fois j'adore. Allez, c'est parti, je branche. J'allume. Regardez. Et maintenant, je peux monter ou descendre la table. Youps. Youps. Génial. Mais en tout cas, je suis très très content. Elle est magnifique, elle est solide. Vous pouvez y aller. Hein. Ça bouge pas. Et puis, il y a des petits pieds en dessous qu'on peut régler éventuellement si votre sol n'est pas droit. Maintenant, eh bien, je vais passer à l'armoire. Regardez, j'ai 4 colis énormes à ouvrir et à monter. Donc, je vais monter tout ça. Regardez. L'armoire avant. Et voici l'armoire. Maintenant, regardez comme elle est belle cette armoire. Coucou. Avec des miroirs. Je pense que ça va être fini pour aujourd'hui parce que j'ai passé du temps à la monter cette belle armoire. Donc demain déjà, petit ménage. Et après, on va passer aussi à la chaise gaming. Et après, on va partir à la partie déco. Ça va le faire. Et lendemain. Le lendemain. Allez, jour suivant, je ne sais plus lequel d'ailleurs, il reste 2 jours de toute façon, ça va aller, parce que le plus gros est fait. Il y a toujours des petits trucs en plus que je prévois pas, genre un petit visuel Minecraft. Donc là c'est parti, je vais monter la chaise gaming, start! Cette magnifique chaise gaming. Il y a aussi les petits coussins, hein, bien sûr, qu'on peut rajouter. Je sais pas si vous connaissez les chaises gaming. Voilà, on les rajoute ici. Un autre petit coussin en bas, noir et blanc. Voilà, c'est stylé. Ça va avec le ton de la pièce qui va être noir et blanche avec les petites lumières, la déco. En tout cas, je pense que c'est plutôt raccord avec ce bureau. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, ça va être rangement, aspirateur, serpillière. On met tout ça dans l'ordre. Et après, on va passer à la déco. Je pense que vous le verrez avec Athéna quand elle va découvrir sa nouvelle chambre. La déco, ça va prendre une journée. On a fait plein de choses dans cette vidéo. Ah oui, puis je vous le dis maintenant, au cas où ça vous intéresse, il y a des éléments qui vous intéressent de la déco, des meubles, des chaises, bien sûr, le bureau Flexispot. Je vous mets tout ça en description. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être vous plaire pour votre chambre, à vous, pourquoi pas. On se retrouve maintenant avec Athéna. The next day. Coucou Calice. Coucou. Alors, tu sais que j'ai bien travaillé sur la chambre d'Athéna. Eh bien, je vais rentrer dans la chambre et tu vas rentrer. Et on va voir ce que tu en penses. Et juste après, bien sûr, Athéna va découvrir sa chambre. D'abord la grande sœur. Et je te dis quand tu rentres, ok? Ok. T'es prête Calice? Allez, tu rentres quand tu veux Calice. Ça change, hein? Ouais. Je vais pas tout filmer, je vais vraiment attendre qu'Athéna vienne. C'est beau, hein? Ouais, elle est trop bien. C'est ma chambre maintenant. Trop stylé. On va aller chercher ta petite sœur. Oui. Allez, on va aller chercher Athéna qui attend dans la pièce d'à côté. Elle a trop hâte. Athéna, coucou Athéna! Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu. C'était pour l'introduction de cette vidéo de Room Tour. Tu as hâte. Calice, t'en penses quoi de cette nouvelle chambre? Elle a plus les mots. Elle était subjuguée. T'es pressé? Alors attends. Comment il y a marqué start là? Attends, je vais rentrer dans la chambre et puis je vais filmer ta réaction. On va passer de l'autre côté comme pour Calice. Devin, tu te souviens de ta chambre avant? Oui. Je peux pas rentrer dedans. Genre je reste dans la chambre et après tu comptes jusqu'à 3 pour que je lève les yeux quoi. Ah ouais, enfin comme ça, d'accord. Je compterai jusqu'à 3, je dirai ouvre les yeux. D'accord? D'accord. C'est Calice qui va te guider au milieu. Vous êtes prêtes les filles? Allez, vas-y. Ferme bien les yeux, Athéna. Voilà. Je vais fermer la porte ici.
Voilà, tourne, pivote un petit peu. Est-ce que tu es prête, Athéna, à ouvrir les yeux? Oui. 1, 2, 3. Ah, elle est trop bien! Elle est trop bien! Regardez, et personne n'a vu encore. Tu l'as vu avant tout. Ceux qui regardent cette vidéo, regardez. Il y a plein de lumière, il y a plein de nanolithes. Regarde, regarde. Hein. Te plaît? Oui. C'est pas gaming ça? Si. Regarde, là, même la housse de côté. Oui, il y a des stickers partout. Encore 5 minutes. Regarde, t'as une petite veilleuse, réveille. Si. Et attends, il y en a d'autres. Après, faut pas trop en mettre. Et y a, même les lumières au plafond peuvent changer de couleur. Et bien sûr, le bureau FlexiSpot. Regarde. Tu peux régler la hauteur. Je peux le mettre en version debout, regarde. Ça s'arrête tout seul. C'est beau, hein? Regarde, hey, tu l'as vu la petite lampe Minecraft? Elle est trop bien. Et regarde, Athéna. Hop, appareil. Si tu veux, tu vas. Alors, le bureau, c'est ça. L'armoire, c'est ça. Bureau, par exemple. Et là, tu peux faire des petites scènes. Stylé. Petite scène, petite ambiance, petite scène. Allez, un petit coucher de soleil pour le bureau. Hop, voilà. Tu peux jouer avec plein de trucs. Plus de météores. Et voilà, plus de météores. Et tu peux jouer pareil avec l'armoire. Après, tu passes. Tu vas pouvoir jouer avec des petites scènes. Tu peux faire... Tu veux quoi? Mode... Vas-y. Il y a un mode Noël, non? Ondulation. Ondulation, regarde. C'est trop bien! Ça te plaît ou pas ta chambre? Alors tu peux avoir une lumière normale, hein. Je te rassure, tu peux avoir une lumière blanche pour travailler normalement. Regarde, hop! Vas-y, allume la lumière. L'interrupteur, regarde, j'ai changé les interrupteurs pour ça, la partie d'électricité. Voilà, tu as ces rouges, je mets ici et là on en passe en lumière blanche normale pour travailler. Tu kiffes ou pas? Et ça, c'est ton lit, hein? C'est là, c'est le lit qui était superposé. Que j'ai repeint. T'as demandé qu'est-ce que j'ai repeint? Mais j'ai tout repeint. J'ai repeint le coffre, j'ai repeint le lit, j'ai repeint ce coffre aussi. Toi, t'as un petit tabouret là, en peluche. Tu voulais un tabouret en peluche? Ça fait une. T'as une petite. Un petit tapis peluche ici. Panda, elle est trop beau! Mais elles sont magnifiques! J'ai rien à dire, elles sont trop belles! C'est beau, hein? Ouais. Je suis jalouse de ma propre chambre. C'est un bureau pour travailler, évidemment. Oh, le pot arc-en-ciel, là. Merci en tout cas, FlexiSpot, encore un, je vous mets le lien en description. Il y a 4, regarde, j'ai pu programmer 4 positions différentes. Le 1, c'est la position standard. Là, tu appuies sur le 2, a priori, position 82 cm. Le 1, c'est plutôt 72 cm. Après, regarde, la chaise gaming. Bon, c'est curieux ce que c'est que sa chaise gaming. Ah, elle est bien. Bon, alors tout à l'heure tu disais que ta chambre était un petit peu enfantine, c'est vrai, il y avait un toboggan, elle est superposée, c'était un petit peu enfant, t'as grandi. Qu'est-ce que t'en penses de ta chambre maintenant? Elle est trop bien. Elle est pas trop enfantine, hein? Non. Elle est geek, elle est gaming. Ouais. Tu kiffes? Ouais. Toi, t'as plein de coussins en style gaming. Et regarde, t'as vu ça? Je t'ai préparé des petits pyjamas Minecraft, regarde. Alors celui-là est un peu grand parce que tu vas grandir, mais en attendant, t'as aussi un petit pyjama de gaming. Regarde. Oh, il est trop la totale. Beau. T'aimes bien? Et ça sert à quoi ça? Ça, c'est à tes commandes pour ça, mais tu peux appuyer là-dessus aussi, ça marche. Ok. T'appuies là-dessus. Et tu peux changer là. Plein de choses, il y a des boutons. Enfin, tu vas apprendre comment ça marche. Ça, c'est pour les lampes du plafond. Ok. Ouais. Forcément, là, celle qui était déjà là. Elle est toujours là. Ouais. Ça, c'est stylé comme ça, regarde. Ça, je l'ai pas enlevé parce que je me suis dit, ça va, c'est raccord. En fait, il y a trop de lampes. Faut pas mettre tout en même temps. Tu fais comme tu veux en fonction de ton mood. Pour chiller, pour travailler. Là, t'as une petite télécommande, Athéna. Hop. Et ça réagit au son. Attends, pap. Tu vois, quand tu parles aussi, ça réagit. Et ça peut réagir à ton jeu vidéo ou à ta musique. Ça doit être incroyable. Attends, viens, on met des lettres. On regarde ce que ça donne. Oui, le son, tu mets le son sur l'écran. C'est trop bien! C'est vraiment trop bien! Oh, t'as vu, t'as un gros câlin, ça? Oui. Oh.
petit cœur. Ah, papa, il a bien travaillé toute la semaine. Je veux dormir ici, c'est ma chambre maintenant. Il y a quoi dedans? Ah ben c'est ta nouvelle armoire, bon après c'est des vêtements, hein. Mais c'est ta nouvelle armoire, hein, Athéna. Avec un petit miroir, regarde, pour agrandir la pièce, c'est beau, hein. Bon, ben voilà, j'espère que vous aimez cette pièce, ce room tour, regarde, ATT Gaming Zone. Tu l'as vu ça? Ouais. ATT, là, donc ATT c'est son surnom. Donc, ouais. C'est la Gaming Zone d'Athéna. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est un petit pouce en l'air. Mais les volets s'ouvrent aussi, ils s'ouvrent plus, j'ai réparé les volets aussi, j'ai tout fait, la menuiserie, l'électricité, du montage d'armoire, de la peinture. Et je suis content que ça pèse droit au fond du cœur. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à moins bien. Ah, c'est encore mieux que ce que tu pensais? Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Hein. Bon, je vais te laisser prendre tes marques, hein. On arrête de filmer, on s'arrête pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette room tour. C'était une superbe vidéo. Plein de gros bisous. Abonnez-vous, partagez, commentez, laissez un petit pouce en l'air, activez la petite cloche. Amuse-toi avec toutes les ambiances de ces lumières. Et on sort... Ah oui, la danse, c'est des petits plaids, des petites couvertures. J'ai les lettres, je peux comprendre celles-là. Ouais. Allez, gros bisous à tous, amuse-toi bien, t'es là dans ta chambre. Elle est sauvée même maintenant. Oh, je peux regarder un film. Allez, à bientôt et surtout, n'oubliez pas, soyez vous, Athéna, soyez bien, soyez bon, et vivez vos rêves.